हे आमच्या भाषेमध्ये सवर पक्षी बोलतो ह्याला, आणि ह्याला आम्ही भगवान मानतो. हे पवित्र आहे, म्हणजे पवित्र पक्षी. आणि जिथे जिथे देवाचं स्थान असेल त्या ठिकाणी ते गोल गोल घिरट्या मारत असतात. आणि एखाद्या वेळी मोठं झाड असेल तिथे पण देवाची वस्ती आहे. आणि इथेही मी पूर्ण स्टोरी ही देवाची स्टोरी म्हणून काढली. आणि पवित्रता आहे सर्वामध्ये, त्याच्यामुळे हे सर्व पक्षी मी इथे काढले, कारण हे देवाची गोष्ट आहे म्हणून. C'était un homme. Il était riche. Riche d'enfants. Eh oui, il en avait 7. 7 filles. Il était pauvre. Et comment ne pas être pauvre quand on a 7 filles à nourrir, 7 filles à marier? Cet homme-là gagnait sa vie en vendant des feuilles de sague. Les feuilles de sague, ce sont de grandes feuilles qu'on utilise pour faire le toit des maisons. Et ce matin-là, notre homme était dans la forêt et il avait ramassé des feuilles de sague. Et il en avait ramassé tant et tant qu'il ne savait pas comment faire pour les transporter jusqu'à chez lui. Et il était là lorsqu'un crabe est arrivé et lui a proposé de l'aide. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le crabe avait fabriqué un énorme ballot de feuilles de sague et l'avait posé sur la tête de l'homme. Ainsi l'homme a pu rentrer chez lui. Il était tellement heureux du service rendu par le crabe qu'il l'a invité à partager un repas. Arrivé chez lui, l'homme a demandé à sa femme et à ses filles de préparer un repas digne de leur hôte. Elles ont puisé dans les réserves et le repas a été délicieux. Tout le monde s'est régalé. À la fin du repas, l'homme s'est tourné vers le crabe et lui a dit « Écoute crabe, tu m'as rendu un fier service. Et vraiment, je voudrais te remercier, alors je te donne une de mes filles en mariage. » Et avant que le crabe n'ait pu répondre quoi que ce soit, ce sont les filles qui se sont écriées « Mais mon père, mais épouser un crabe, mais enfin tu n'y penses pas !» Il n'y a que la petite dernière qui ait dit « Mon père, le crabe t'a aidé, je veux bien l'épouser. » Et là, aussitôt dit, aussitôt fait. Il n'y a que dans les histoires que ça se passe aussi vite. Hein. Et on a échangé bouquets de fleurs, colliers de fleurs, on a invité les voisins, on a chanté, on a dansé, on a mangé, on a bu. La fête a été belle. Et puis est venu le moment pour le crabe et la jeune épousée de quitter la fête et d'aller s'installer dans leur maison. Et les jours qui ont suivi, la jeune épousée paraissait parfaitement heureuse. Son mari était un mari exemplaire. Et il accomplissait sa part du travail. Hein. Il coupait le bois, il allait chercher de l'eau, il aidait sa femme dans les tâches de la maison, tout allait bien. Et le soir, lorsque la nuit tombait et qu'ils s'allongeaient côte à côte, la jeune femme n'avait pas du tout l'impression de passer la nuit dans les pattes d'un crabe. Tout allait bien. Il y avait pourtant une chose que la jeune femme ne savait pas. C'est que chaque nuit, la carapace de crabe s'ouvrait. Et en sortait un jeune homme. Un jeune homme beau. Beau. Beau comme un dieu. Il sortait de la maison, il s'éloignait un peu, et puis il montait vers le ciel, au-dessus des nuages. Et au matin, avant le petit jour, il redescendait, revenait dans la maison et retournait dans sa carapace de crabe. Une nuit, la jeune femme s'est réveillée. Elle a regardé autour d'elle et elle s'est rendue compte que la carapace de crabe était vide. Alors, elle a regardé, elle a cherché, et elle est sortie de la maison. Elle n'a rien vu. Elle a attendu un moment, mais rien. Alors elle est retournée s'allonger et elle s'est rendormie. Et au matin, son crabe de mari était là. Alors, le soir suivant, lorsque la jeune femme s'est couchée, elle a fait semblant de s'endormir. Elle a résisté au sommeil et elle a attendu. Jusqu'au moment où elle a entendu un léger bruit à ses côtés. Elle a tourné la tête, elle a entrouvert un œil et elle a vu
la carapace de crabe s'ouvrir. Et elle a vu un jeune homme en sortir. Il était beau. Beau. Beau comme un dieu. Elle l'a vu sortir de la maison et s'éloigner un peu. Sans un bruit, elle l'a suivi. Et elle l'a vu qui montait vers le ciel. Et elle l'a vu disparaître derrière les nuages. Elle a attendu. Attendu. Puis elle est retournée dans la maison. Et là, en entrant, elle a regardé la carapace. La carapace vide, là, sur le sol. Et elle a tourné la tête vers le feu. Il restait quelques braises, reste du dîner. Le feu, la carapace. Elle a pris la carapace et l'a posée sur les braises. La carapace a grillé, la carapace a flambé, brûlé, calciné. Au petit jour, son mari est revenu. Et lorsqu'il est entré dans la maison, il a regardé la carapace calcinée, puis il a regardé sa femme. Et il a souri. « Ma femme, tu viens de me délivrer d'un sort qui me retenait prisonnier depuis des années. Un saadou, un homme en quête de sainteté, m'avait condamné à être crabe le jour et retrouver ma divinité la nuit. Et pour me délivrer, il fallait que quelqu'un découvre mon secret et détruise la carapace. C'est ce que tu viens de faire. Merci, ma femme. » Et le jeune homme s'est approché de la jeune femme, il l'a pris dans ses bras, et la jeune femme a souri. Ainsi, elle n'avait pas rêvé. La nuit, c'était bien des bras hospitaliers qui l'accueillaient, et non pas des pinces de crabe. Épouse d'une divinité, elle est devenue divinité elle-même. Et tous les deux ont quitté la maison, ils sont montés vers le ciel, jusque de l'autre côté des nuages. Et depuis ce temps-là, il dispense protection du monde d'en haut vers le monde d'en bas.